Je sais, je fais plus de vidéos. Parce que je les vois tes messages. Pourquoi tu fais plus de vidéos, machin? Il y a le confinement, c'est le Ramadan. Tu veux que je te parle de quoi? Tu veux que je te parle des vidéos Netflix que je regarde toute la journée, frérot? Je sais pas toi comment ça se passe pour le confinement, comment ça s'est passé, mais moi, j'ai gonflé comme un ballon. J'ai mangé de la merde, de la merde, de la merde. J'ai explosé. J'ai un truc de fou. Bon, là, il y a le soleil, ça y est, il refait beau. On va reprendre les choses en main. Corde à sauter. Traction. Y'a Lucien. Qu'est-ce qu'il fait? On va l'emmerder Lucien un peu. Ah, tu te fais beau, hein? Ah, Lucien! Monsieur Lucien! Comment on est? Oh, pour le pilote! Ah oui! Je fais un reportage sur lui! Un reportage! Un reportage! C'est que c'est un ancien de la French Connection, Lucien! Oh oui! Là... Je le savais, ça! Lucien, pourquoi tu mets pas de masque? Est-ce que je vais peut-être avoir un masque? Ah ben franchement Lucien, je pensais que là tu portais un masque. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Lucien, il m'a dit il faut absolument que tu fasses une vidéo, que je montre aux abonnés, il veut vous montrer quelque chose. Une histoire de vélo, de machin. Eh Lucien, c'est quoi cette histoire? Tu veux faire une vidéo? Tu veux nous montrer quoi? Je vais vous montrer le système que j'ai fait pour mon camping-car pour les vélos électriques ou les vélos simples. Alors écoutez, prochain vlog. Tu veux voir? Eh bien on va voir. Quoi, c'est toi qui l'as fait ça? C'est tout moi qui ai fait ça, voilà. C'est tout moi. Vous voyez tout ça? C'est tout moi qui l'ai construit. Ça rentre dedans, c'est coulissant. Ça s'ouvre, bon ben, j'arrive à le coulisser. Voilà. C'est ça. Après, ça se lève et normalement, je dévisse là-bas. Et ça tourne pour pouvoir ouvrir les portes. C'est un truc de fou. Et mais comment tu as soudé? Alors, donc, il y a des soudures en aluminium que j'ai fait faire par un spécialiste qui m'a fait des soudures. Ça m'a coûté quand même 180 euros. Mais tout le reste, c'est tout moi qui l'ai fait. Donc, je peux mettre trois vélos. Tu es un monstre, Lucien. Je savais pas trop quoi te proposer comme type de vidéo. Bon, c'est le Ramadan, c'est le confinement. C'est compliqué de te sortir une bonne vidéo. Par contre, tu le sais, je reçois tout le temps des colis. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Une petite ouverture de colis. Viens, moi, ça, viens le coin. Dans le coin des punis, on va aller. On a des colis à ouvrir. Là, normalement, tu devrais bien m'entendre. Parce que j'ai pris un micro-cravate. Ce que je vais te faire, c'est que je vais mettre le lien du micro-cravate dans la description. Je vais te mettre aussi les colis, là, qu'on va ouvrir. Un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Pour remercier ceux qui me les ont envoyés, parce que regarde, on a pas mal de colis aujourd'hui. On va commencer par un petit colis. Pour ceux qui ne savent pas, ces colis, c'est des colis qu'on m'envoie en cadeau. C'est des gens, des personnes qui ont des boutiques Amazon. Ils m'envoient ça en cadeau, tu vois, pour que je puisse les faire sur Snap, sur YouTube, des petites pubs comme ça, tu vois. Donc je te mets un lien en description si tu veux connaître le prix. Alors qu'est-ce qu'on a là? En général, ils m'envoient des produits high-tech. Une fois, ils m'envoient du maquillage quand même. Correct. Ça c'est correct. Il a l'air pas mal. Hein. Un téléphone. Bon, je t'ai expliqué, je te mets le lien dans la description. Si tu veux voir combien il coûte. Parce que lui, il m'a envoyé des colis et il m'a envoyé un message en disant voilà, on t'a envoyé le colis pour que je puisse mettre des liens sur Snapchat ou sur YouTube. Colis numéro 2. Il a envoyé direct un téléphone. Deuxième colis. Pas extraordinaire. Mais ça sert toujours ça. Une batterie externe. Ce produit-là, si tu n'as pas un chez toi, il faut absolument que tu ailles en acheter un. Tout de suite. C'est indispensable, ça. Tu recharges ton téléphone, tu recharges tout avec. Tu sais, avec les nouveaux téléphones qu'ils font, les batteries, elles pètent en deux. Avec ça, tu es tranquille. On va voir qu'est-ce qu'on a encore. Alors, il nous reste encore un petit et deux gros. Ah, c'est toi qui le regardes avant moi. Qu'est-ce que c'est, ce machin?
Des écouteurs Bluetooth. Pas mal, hein. Elle s'ouvre par là, ouais. Quand tu vois Apple, ils te font des écouteurs à 200 euros. Que là, tu as des écouteurs, ça doit valoir peut-être 20, 30 euros maxi. Et ils sont de bonne qualité. Enfin, bon, c'est sûr, c'est vrai qu'il y a 2-3 qualités un peu différentes. Mais moi, pour le temps que je reçois, j'ai jamais été déçu par les écouteurs comme ça. Bon, on va voir un peu dans ce gros colis, qu'est-ce qu'on a. Je suis un peu, tu vois, je suis un peu faible là. Là, je dois toujours, mais qu'est-ce qu'il a, mon Guillaume? D'habitude, il crie. Là, je suis faible, frérot. Ramadan avec entraînement juste avant. C'est-à-dire que là, je me suis levé 9h du matin, parce que moi, je fais des vrais ramadans, frère. Je me lève à 9h du matin, corde à sauter, traction. Après la douche, là, j'ai un coup de barre, je pourrais dormir par terre. Le truc, c'est que je me suis dit, voilà, j'allais ouvrir les colis, et je me suis dit, bon, je vais te faire partager ce petit moment intime. Ah, une boîte dans une boîte. Alors, je suppose que ça a un rapport avec le massage. Massageur. La petite mallette. C'est tous pareil, c'est drôle. J'ai l'impression qu'ils sont tous construits dans la même usine. Tu as la petite mallette, comme ça. Dessus, tu mets des boules différentes. Et tu as le Uzi. Tu te mets ça, tu vois, genre sur le muscle. Ah, oh, c'est de la bombe. Ah, oh, de la bombe, frérot. Bah, 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 c'est de la bombe. De la bombe. Lien en description. Mais il reste plus qu'un colis. Je vais te dire, on va essayer de deviner, mais tu peux pas deviner. Ils ont envoyé de tout, de n'importe quoi. Dernière fois, ils m'ont envoyé un jeu de cartes. Pochang, tu crois que je me barre, frère? Ah, il y a deux colis. C'est deux objets dans un colis. Ah oui, tu vois. Mais ce que je te disais. Des écouteurs. Encore des écouteurs, frère. La forme est différente, mais je suis persuadé que c'est la même qualité. C'est toujours pareil. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais te mettre, quand je te mets le lien, je te mets les écouteurs 1, c'est ceux que j'ai ouvert en premier. Et ça sera, tu l'as compris, les écouteurs 2, mon poteau. Bon, il reste encore un dernier objet. Moi, j'ai vu, c'était quoi? Truc de fou. Franchement, c'est quoi? Des fois, je reçois des colis, je rigole tout seul. C'est des fous. Une lampe électrique à moustique. Alors, attends, ça. Ça va sûrement m'être utile à ça. Ça fait une lumière bleue, ça attire le moustique et dedans tu as une barre qui est électrifiée. Quand le moustique il vient, frérot, tu me le décharges. Et après, normalement, tu as une couvercle en bas que tu lèves. Voilà, après tu as le cendrier, frère, avec tous les moustiques comme ça. Bon, les colis, c'est fini pour aujourd'hui. Ça y est, j'ai repris le taf. C'est toujours le confinement, mais bon, obligé d'aller travailler. Ramadan en mode gamelle et direction le bureau. Je suis arrivé au bureau. Il y a Fonzi. Il est venu avec la bécane, bras. Mon bureau. Tu l'as vu le film? Tu l'as vu Scarface? Quand Tony. Il sort les... remets tes jambes. On m'en coule pas, moi, sans ça. On m'en coule pas. Monsieur Fuc, l'homme par qui tout est arrivé. On t'avait dit de pas aller voir tes cousins au bled. La gueule de ta race. Si vous cherchez le patient zéro... Comment ils ont dit, le patient zéro? Le patient zéro. Ouais. Le patient zéro, il est là, monsieur Fuc. Ouais. Il est parti au bled en décembre, il est revenu en janvier. Ouais. Tous les matins, il me fait ça. La vérité, il me rend fou. Ton avis, si je vais prendre le fusil, que je vais le déglinguer, tu crois que je prends du ferme? Voilà l'équipe, on arrive à la fin de ce petit vlog. J'espère que ça t'a régalé, en tout cas. Non, j'espère que ça t'a plu, parce que c'est moi, je me suis régalé, frère. Ah, ça, je me régale à te faire des vlogs. Bon, mais je vais retourner m'entraîner pour perdre un peu les conneries que j'ai fait, les Kinder Bueno que j'ai mangé pendant le confinement. L'équipe, je vous kiffe. Surtout ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça, c'est les vrais, c'est le noyau dur, ça. Je vous kiffe, mes potos. Vous me régalez. Et je vous dis à tous, hasta luego.